Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Connaissez-vous Al-Waqf France? Oui, je connais bien Al-Waqf France depuis presque depuis sa fondation. Donc il y a quelques années, c'est un projet qui a pour objectif de soutenir les institutions musulmanes à se développer, à mener à bien leur projet. Et bien sûr, je connais un petit peu toute l'équipe de l'Ouarf qui sont des amis de longue date. Et que pensez-vous d'Al-Ouarf, sa mission? Al-Ouarf, en tant que concept dans la civilisation arabo-islamique, est quelque chose d'indispensable. Al-Ouarf, c'est un concept qui permettait aux institutions islamiques de garder leur indépendance à l'époque même où la civilisation islamique était dans son apogée. Je ne sais pas si tout le monde le sait, mais on allait jusqu'à un point où on développait des waqf, ça veut dire des institutions de bienfaisance, même pour les animaux. Dans la civilisation islamique, on avait des institutions, des refuges pour les animaux en fin de vie. On avait des institutions, des waqf pour les personnes malades, on avait des waqf pour les étudiants qui devaient avoir une ressource financière pour mener à bien leurs études, pour être utiles à soi-même et à leur société. L'ORF, c'est un concept en fait indispensable et fondamental qu'a connu et qu'a développé, c'est quelque chose d'unique qu'a développé la civilisation islamique. L'ORF France, si on se permet de dire en français, sans relier le R, c'est une continuité pour ce concept de l'ORF. Nous savons aujourd'hui que toutes les institutions ont besoin de finances, ont besoin de soutien. Et nous, par exemple, à la Faculté des sciences islamiques de Paris, nous sommes une institution d'enseignement dans le domaine de la langue arabe, des sciences islamiques, du Coran, de la calligraphie, des arts islamiques. Nous savons ô combien toute institution islamique, commençant par les mosquées, en allant vers les projets de bienfaisance qui s'occupent de la famille, de l'enfance, etc., arrivant aux écoles prévues musulmanes, arrivant aux établissements d'enseignement libre privé supérieur comme notre faculté, ce concept, il est juste nécessaire et indispensable. Est-ce que vous auriez un mot d'encouragement pour Al-Waqf? Oui, j'encourage toutes les personnes qui peuvent aider, qui peuvent soutenir Al-Waqf France de le faire, pour la simple raison que Al-Waqf France est dédié à aider d'autres établissements. C'est en quelque sorte un lien, un intermédiaire qui faciliterait aux donateurs musulmans ou non d'ailleurs de s'assurer d'une bonne destination de ces dons et de privilégier les projets qui sont prioritaires pour cela. Certes, on a besoin dans l'humanitaire, on a besoin d'autres projets pour les nécessités premières, peut-être même à l'étranger, mais aussi les musulmans de France ont besoin pour avancer, pour bien être utiles aux musulmans même, à toute la société, de s'instruire, d'apprendre, ce qui fait le soutien pour ces établissements, surtout d'enseignement privé, que ce soit au niveau de primaire, collège, lycée ou supérieur, comme c'est le cas de la Faculté des sciences islamiques de Paris, est quelque chose d'indispensable. Merci. De rien, je vous remercie. Assalam.